Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Oui, je vous demande de prier pour mon petit-fils qui va faire sa profession de foi et pour ses camarades. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Priez pour moi que je retrouve la foi que j'ai perdue en perdant mon mari. Et je n'arrive pas à m'en remettre. S'il vous plaît, je voudrais retrouver la foi. Merci. Sainte Vierge Marie, je viens te souhaiter une belle fête des mères et te dire merci pour ton amour maternel. Je t'aime, maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'œuvre de l'Esprit est une œuvre d'ouverture à toutes les nations, une œuvre de renouveau et de création qui annonce la nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, en ce sixième dimanche de Pâques, qui prépare déjà la communauté à la Pentecôte, remettons-nous loyalement sous la lumière de celui qui nous délivre du joug de la loi ancienne et nous donne la liberté des enfants de Dieu. Premier mystère glorieux, la résurrection. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La loi pesait très lourd sur les épaules de ceux qui voulaient l'observer. Or, la fidélité au Christ est autre chose que l'observance d'innombrables préceptes accumulés à travers les siècles. Prions pour ceux qui ont autorité dans l'Église, comme au temps de Paul et de Barnabé, qu'ils ne fassent pas peser sur les fidèles le poids des traditions humaines. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous pécheurs. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce « vous » de Jésus ne s'adresse pas à l'humanité en général, mais aux disciples, à l'Église missionnaire qui continue son œuvre. En ce dimanche qui précède la fête de l'Ascension, prions pour ceux qui, après avoir quitté leur pays, annonce à ceux qui ne la connaissent pas encore la bonne nouvelle du salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Le Père vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'esprit de Pentecôte se reconnaît à ses fruits, en particulier l'amour, la joie, la paix. Prions pour ceux qui sont inquiets, scrupuleux, tatillons, que leur cœur cesse de se troubler et soit habité par la paix de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria patri et filio, et spiritui santo. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, pauvres. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption. Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Jean écrit son évangile longtemps après la mort de Jésus. Ceux à qui il s'adresse ont donné leur vie au Christ par la foi, mais les épreuves ne manquent pas, y compris celle de la persécution. Elle continue aujourd'hui. Prions pour les 40 missionnaires catholiques, 35 prêtres, 4 laïcs, un séminariste, tués l'an dernier dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Des 40 missionnaires tués l'an dernier, 21 l'ont été en Afrique. Faisons nôtre l'intention de prière proposée par le Saint-Père pour ce mois de mai, pour qu'à travers l'engagement de ses membres, l'Église en Afrique soit ferment d'unité entre les peuples, signe d'espérance pour ce continent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui, et Santo. Ô Marie conçue sans péché, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus aux disciples lors de son premier discours d'adieu. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une salutation. Il prend congé et précise : ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne ma paix. La paix. De ce mot utilisé de nos jours comme un slogan qui rassure ou veut séduire, Jean-Paul II disait « Il y a peu de sujets sur lesquels on énonce autant de faussetés ». Il s'adressait au juge de la Cour internationale de justice de La Haye. C'était en 1985. L'usure, la dénaturation du mot sont-elles qu'elles obligent à le recharger de sens, à lui redonner sa dénotation humaine, existentielle et spirituelle. Peut-on parler de paix en dehors de ces dimensions-là? Frères et sœurs, au temps de Jésus, dire « Shalom », la paix soit avec vous, était une façon d'entrer en communauté avec quelqu'un, de l'accueillir comme on fait d'un hôte. C'était beaucoup plus qu'une règle de civilité ou d'urbanité. C'était appelé sur lui la bénédiction divine, car c'est Dieu qui donne la paix. L'usage a dégradé ce salut en formule de politesse. Shalom valait aussi bien pour la rencontre que pour l'adieu. En disant à ses disciples « La paix soit avec vous », Jésus ne reprend pas une formule d'usage. Il redonne son sens originel au mot. Shalom est la paix des derniers temps, celle qui transcende les épreuves et les aléas de l'histoire. C'est la paix de Dieu. Je vous donne ma paix, dit Jésus, mais pas à la manière du monde. Il explicitera en conclusion de son discours, « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. » Dans le monde, vous avez à souffrir mes courages, moi je suis vainqueur du monde. Frères et sœurs, la paix que Dieu donne guérit, libère de ce qui écrase, écarte ce qui empêche d'avancer. La paix du ressuscité ouvre les sépulcres, jette au milieu de la tempête, cheville en nous la confiance dans la vie, fortifie notre foi dans la victoire sur le mal. La paix du ressuscité, un don, une grâce, n'est ni tranquille, ni artificielle, ni anesthésiante. C'est une paix qui ruisselle de la croix, qui traverse de nombreuses tribulations. Elle n'a rien à voir, dit le pape François, avec le stoïcisme ou des contorsions et supplices de fakir. Durant son ministère de prêtre, notre pape a connu l'épreuve de la solitude, de l'incompréhension, de l'exil. Il n'a jamais perdu la paix de Jésus, ni cédé au découragement. Il nous en donne des preuves tous les jours. Frères et sœurs, le geste de paix que nous échangeons à chaque Eucharistie, redonnons-lui son plein sens. Qu'il ne soit jamais une simagrée. Il nous engage en tant que membres d'une Église qui n'est pas un rassemblement de bonnes âmes, ni un club de gens de bonne compagnie. Le geste de paix engage parce que la paix de Dieu, celle que Jésus nous a donnée, est mobilisatrice.
elle n'isole pas du monde et de ses combats, quand bien même elle ne relève pas de ce monde. À ce propos me revient cette histoire. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Un jeune Français de 20 ans, Yannick, membre d'un maquis des Landes bretonnes, tombe dans une embuscade. Il se trouve nez à nez avec un jeune soldat allemand de son âge, Franz. Tous deux font feu, tous deux sont tués. Après la guerre, la mère de Yannick finit par retrouver la mère de Franz et se rendit auprès d'elle pour l'embrasser en signe de compassion, mais aussi de réconciliation entre les deux pays qui étaient ennemis. « Nous sommes deux sœurs dans la même douleur », lui dit-elle. Frères et sœurs, voilà un vrai geste de paix, un baiser de paix authentique. Frères et sœurs, le danger pour nous chrétiens est de céder à l'assoupissement, à l'indifférence, au risque de pécher par amnésie. Souviens-toi de Jésus-Christ, conseillait Paul à son disciple et ami Timothée. Souviens-toi de celui dont la vie ne s'avoua prisonnière d'aucune limite, d'aucune de nos faiblesses. Souviens-toi de celui en qui rien n'était jamais perdu. Un père dominicain espagnol, Bartolomé de las Casas, disait de Dieu qu'il est celui qui se souvient de tous ceux qui sont oubliés. Frères et sœurs, au moment difficile, quand l'espérance est mise à rude épreuve, au point que nous sommes tout prêts de nous fondre dans la foule des adorateurs de faux dieux, rappelons-nous combien notre Dieu est tendresse et miséricorde, combien il est secourable. N'ayons pas peur de l'affirmer, nous qui trop souvent confondons humilité et timidité. Allons à la rencontre des autres pour les écouter, les réconforter, les inviter à partager l'amour dans leur ruchicité, leur donner le baiser de paix dans la paix qu'il nous a laissée. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint convertisse nos cœurs par sa parole de feu, qu'il nous garde d'une paix fallacieuse, faite de compromis douteux, de non-dits, de malhonnêteté camouflée. Aimons la vérité qui est en Jésus et demeurons fidèles dans son amour. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et chez lui nous nous ferons une demeure. Nous te prions. Nous n'avons pas été fidèles à ta parole et pourtant, nous osons te supplier, ne nous abandonne pas, viens habiter quand même chez nous, non à cause de nos mérites, mais simplement au nom de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Vierge Marie, le...